Je reprends le trajet d'aller, je reprends au retour en mode économique. Alors le but cette fois-ci, c'est de voir un peu la consommation, principalement du chauffage, la pompe à chaleur, par rapport au mode normal. Donc les températures ont encore descendu, puisque tout à l'heure il faisait moins 1, moins 2, maintenant il fait moins 3. Sachant que les températures cette nuit vont descendre peut-être vers moins 8 degrés, moins 8 degrés là où j'habite. L'année dernière, enfin en janvier 2018, c'était descendu moins 16. Pour durer longtemps, ça a duré 3 jours, 3 nuits du moins. Donc là, la température produite, la chaleur produite est moindre. Bah, c'est relativement agréable. De toute façon, je me balade pas en short, hein. On est habillé en conséquence quand c'est l'hiver. Oula, bah, le feu rouge là. Bien comme il faut. Ah, une Nissan Leaf à nouveau. Deux fois une journée. Ce sont des voitures résistantes, hein. Toutes les voitures électriques sont durables. Durent beaucoup plus longtemps qu'une thermique. Le principe de carrosserie, c'est la même chose, hein. Ce sont des traitements anti-rouille, bien entendu, qui sont adaptés pour que ça dure très longtemps. Mais il n'y a pas l'aspect mécanique. D'usure comme l'on connaît sur les thermiques. C'est ce qui fait leur durabilité. Donc j'ai fait environ 35 km à l'aller, j'en ferai environ 35 km au retour, ce qui fera à peu près 70 km aller-retour. J'ai pas une conduite spécialement économique, je conduis de manière normale. Comme si j'avais un thermique. Je ne cherche pas à récupérer l'énergie à tout prix. Je pourrais, mais je ne le fais pas. C'est largement suffisant comme ça. J'ai de quoi faire mes trajets journaliers, donc je me préoccupe pas. Je me mets pas en tête à tout prix de gagner 1 kW, 2 kW, 3 kW. Non. J'en deviens pas esclave, hein, en quelque sorte. J'ai l'agrément d'électrique. Sans en devenir esclave au niveau récupération d'énergie. Et tous mes trajets que j'ai faits depuis 2 ans maintenant, ça a été conçu comme ça. Même quand la batterie était à 22 kW, hein, tant que j'avais d'autonomie, je roulais normalement. En mode économique, d'accord, mais sans freiner les autres. Quand j'avais la Prius, c'était tout le contraire. Ah, j'avais une conduite de pépère de 80 ans. Hein. Tout ça pour économiser l'essence. Parce que l'essence coûte beaucoup plus cher que l'énergie électrique. Quand j'arrivais l'hiver avec des fois 6 litres au 100, quand l'hiver était dur,
le moteur de l'hybride tourne plus souvent pour maintenir chaud justement le moteur, le liquide de refroidissement. Donc un feu rouge ils se mettent en route, un feu vert ils se mettent en route. Bref, là c'est à se demander à quoi ça servait l'hybride. On parle beaucoup, il se dit de beaucoup de choses sur l'hybride rechargeable, puisque maintenant ça va dans tous les sens. Hein. Électrique, on sait, mais le reste, on sait pas trop. Alors, l'hybride rechargeable, est-ce vraiment une opportunité? Non. Pour moi, c'est mon avis toujours, ça n'engage que moi. Non. Ce n'est pas valable pour le particulier. Pour une entreprise, oui, parce qu'ils vont avoir des avantages financiers. Mais pour un particulier, non, parce que ça reste toujours un moteur thermique. Une fois que votre batterie sera épuisée, le moteur thermique lui va prendre la relève en permanence. Ça redeviendra une voiture classique. Et la consommation d'essence remontera fortement. Il y a eu des vidéos faites principalement par les Allemands sur autoroute avec la Prius 4 rechargeable. Bon, c'est spectaculaire, hein. Une fois qu'elle est épuisée sur autoroute, c'est pas 50 km d'autonomie, on se doute bien. Au bout de 20 km, ça y est, la batterie était épuisée et c'était thermique qui prenait à la relève. Bon, la consommation, ça montait à 7 litres, 8 litres. Hein. Donc aucun intérêt. Ah, vu le prix de la voiture, c'est ridicule. Alors, on tombe sur la tête. La voiture qui dépasse 40 000 euros. Pour 40 000 euros, vous avez l'aide de l'État de 6 000 euros. Vous avez une Niro ou une Kona qui font 500 km d'autonomie. Hein. À ce prix-là, il ne faut pas hésiter. On bascule sur l'électrique. Au final, on n'en parle plus. Alors une chose que je ne sais pas, toujours pas, c'est est-ce qu'en mode économique on récupère plus d'énergie? Aucun sujet sur le... Je n'ai trouvé aucune réponse à cette question. Alors je vais faire l'expérience, là, puisque jusqu'à maintenant je m'étais jamais préoccupé de ceci, de ce point de vue-là. Entre parenthèses, la Lune... rouge, c'est pas bon signe. J'ai l'impression que je récupère plus d'énergie en mode économique. Parce que je reprends exactement le même parcours. Hein. Là, je ne suis pas régulateur de vitesse, des fois je dépasse, hein, 83, 84. Oh, elle est belle la lune, hein, dis donc. Elle est chouette. On dit les petits bonhommes verts, ils sont pas verts alors, ils sont oranges. Hein. Là, je décélère sans freiner. Alors, la puissance du moteur est limitée. Hein. En économique, on ne dépassera pas la zone verte. Mais il y a suffisamment de répondants pour se sortir de bien des situations. C'est pour ça que je dis que la Zoé, c'est une voiture polyvalente, aussi bien en agglomération que sur route. Mine de rien, j'en suis déjà à 200 watts de récupération et que 100 watts de consommé au chauffage. Donc un bon pêche à l'heure tourne au régime réduit.
Ce que j'aurais bien aimé sur la Zoé, c'est que les boutons concernant régulateur de vitesse, le téléphone, soient éclairés. Vous voyez ici. S'il y a un éclairage public à côté, ça va. Mais pour ceux qui ne sont pas trop habitués, qui vont chercher les boutons, ils peuvent se tromper dans les commandes. Ça, c'est pas une bonne chose. Autant les boutons, la vitre sont éclairés, autant ces boutons-là ne sont pas éclairés. Bon, c'est l'économie de bout de chandelle. Même sur les modèles au-dessus. Hein. Les finitions au-dessus, c'est pas éclairé non plus. Alors là où elle tire beaucoup son épingle du jeu, l'électrique, c'est dans les ralentissements comme ça, les embouteillages. Là, on dépense quasiment rien en énergie. Ça peut durer longtemps comme ça. Donc là, je reprends la rocade dans l'autre sens. Quand je suis pas pressé, si je trouve quelqu'un devant moi qui roule à une vitesse qui me convient, bah je reste derrière. J'arriverai toujours chez moi, il n'y a pas de problème. Alors c'est limité à 96 km/h en économique. Hein. Donc là je vais retirer le mode économique pour pouvoir continuer à suivre. Voilà, j'ai retiré le mode économique. Alors du coup la pompe à chaleur tourne à fond. Alors la zone bleue, vous avez le tableau de bord, la planche de bord qui indique trois couleurs. Le haut de la planche de bord, le tableau de bord. Vert. Vert parce que vous avez une conduite éco. Bleu, c'est une conduite intermédiaire. Et violet, alors violet c'est pas beau. Hein. C'est la conduite là où vous dépensez beaucoup d'énergie pour rouler. Alors, sur une rocade à 110, sur autoroute, évidemment. Mais alors, maintenant, comme ça, à 100 km/h, je reste au bleu. Voilà, la consommation est de 20 kW. Alors, il accélère, je vais suivre. Vous voyez, dès que vous mettez un coup d'accélérateur, ça va très vite. Hein. Même depuis 100 km/h jusqu'à 130 km/h, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de baisse de puissance du moteur électrique. Alors lui, il donne plein pot tout le temps. Hein. Ah. Là, c'est dangereux. Compliqué, là. Parce que moi, je tourne à droite juste après. Voilà. Alors, aux dernières nouvelles, Peugeot sortirait la 208 thermique. Oh, la lune, thermique et électrique. Alors, ce qui nous intéresse principalement, bien sûr, c'est l'électrique. Avec, bon, les journalistes n'ont pas encore les informations officielles, mais ils tablent sur une batterie de 50 kW. Donc, 50 kW, en théorie, elle devrait faire 350 km. Je tablerai sur 400 km entre de bonnes mains. Voilà.
La voiture électrique est vraiment tributaire de la conduite, du style de conduite du conducteur ou de la conductrice. Voilà, par exemple, je suis en mode économique, j'écrase pas le champignon, loin de là. J'ai une conduite coulée, je roule à la même vitesse que les autres usagers. En conduisant comme ça, on va très loin. En ayant une conduite hachée, à coup j'accélère, à coup je freine sans arrêt, ça c'est pas bon, on va pas loin. Alors, aussi bien en thermique, hein, de toute façon, ça c'est les conduites idéales pour surconsommer et user la voiture beaucoup plus rapidement. Ah bah la Lune, elle nous sert de point de repère, là. Si on me demande où c'est que je vais, bah je vais sur la Lune. Vraiment, c'est pas banal. Hein. Alors pour faire mes vidéos, j'avais pensé, parce que j'ai une petite caméra de sport, ça s'appelle comme ça, une petite boîte carrée, avec un grand angle, un angle de plus de 120 degrés. Mais le problème, c'est que ça, bon, ça filme tout, mais on voit rien, parce que ça recule. L'objectif est conçu pour ne pas avoir à prendre de recul pour faire des vidéos. Mais du coup, les affichages d'écran, d'ordinateur, ou d'écran de voiture, de tableau de bord, passent pas. On les voit pas. Les chiffres et autres. Les gros chiffres, bien sûr, comme la vitesse, mais les autres, non. Alors qu'avec le caméscope, j'ai un angle de vue plus fermé, mais avec une distance normale, je vois mieux les... Enfin, on voit mieux à la vidéo les détails. C'est pas facile de trouver un bon compromis. Bon, après, c'est un budget, hein, toujours pareil. J'ai vu la... Bah, je fais une parenthèse de vidéo. La nouvelle DJI Osmo Pocket, avec sa tête pivotante motorisée sur trois axes. Ah, ça, c'est la petite caméra idéale, qu'on sort rapidement de la poche. Elle tient dans la main. Hein, et qui permet de filmer en 4K, mine de rien. En mettant une carte SD de 256 mégas de mémoire, on peut faire des vidéos jusqu'à 2 heures, plus de 2 heures. La batterie intégrée, elle ne peut pas être retirée. Alors, c'est le genre d'appareil qui permet, qui démocratisera la vidéo au quotidien. On a le téléphone portable qui peut faire des vidéos, mais c'est pas toujours de qualité et c'est pas toujours pratique. Que là, cette petite caméra, et ben, puisqu'elle a, elle a comment, l'anti-bouger parfait. Hein. Ah, vous pouvez courir avec la caméra à la main, elle bougera pas la vidéo. Personne ne saura que vous courez. Alors revenons un peu à nos moutons. 400 watts de récupéré, 300 watts de pompe à chaleur. Voilà. Donc la pompe à chaleur consomme quand même beaucoup moins de calories. Les températures sont basses. S'il vous plaît. Je regrette pas d'avoir fait cette vidéo rien que pour la Lune. Alors je suis pas le seul à faire des vidéos longues, hein. D'autres personnes professionnelles
ou semi-pro font des vidéos très longues sur différents modèles de voitures thermiques ou électriques, principalement électriques, en Norvège, aux États-Unis. Ils filment le parcours complet. Hein. Quand c'est 500 km, ils font 500 km de vidéos. Ah, ils ont des caméras partout. Hein. Deux sur le pare-brise, un dans le dos, un au-dessus de la tête. Oh, pff, c'est fou. Mais bon, on peut prendre des informations là aussi. Alors, tout est en anglais, malheureusement. Bah oui, c'est comme ça. Ce genre de vidéo là donne beaucoup d'informations sur les nouveaux modèles de voitures électriques. La Kona, la Niro. Personnellement, si j'avais à faire un choix de voiture électrique entre les deux marques coréennes, je prendrais la Niro. Maintenant, avec ce que je sais, oui, ce serait mon modèle de prédilection. Alors pourquoi ? Déjà, elle a un plus gros coffre, elle est plus grosse. Elle a des touches de finition que n'a pas la Kona. La Kona fait plus banal. Alors c'est une petite, plus petite voiture, la Kona. Hein. Je dirais que la Kona est plus belle de ligne que la Niro. La Niro fait plus mastoc. Bon, elle n'est pas spécialement belle à voir. Elle bouleversera pas le marché. Je trouve pas le régulateur de vitesse. Ah voilà, c'est...